Assise nationale des femmes de Côte d'Ivoire dans le Bassa-Sandra, communion totale entre les femmes venues des régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au son du Bolo Super, signature musicale du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette joie et cette mobilisation parce qu'elles trouvent en Assiné Batouré une oreille attentive pour transmettre leurs aspirations au gouvernement et au chef de l'État. Le gouvernement et le président de la République ont fait beaucoup pour nous, mais beaucoup reste à faire. Comme recommandation, la mécanisation de notre agriculture, la construction de marchés de gros à San Pedro, à Soubré et à Sassandra, l'accès des femmes à la terre en garantissant l'application effective de la loi sur le foncier rural. Nous tenons à dire merci à la première dame. En si peu de temps, combien de milliards pour les femmes? L'autonomisation, la machine a démarré grâce à vous, grâce à votre époux. Mais nous voulons un peu plus. Merci maman. À ce jour, 370 femmes ont bénéficié du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, et à travers elles, 2,5 millions de personnes sont sorties de la précarité. Renforcer le FAFSI et intégrer l'approche genre dans tous les programmes de développement permettront aux femmes d'exprimer leur plein potentiel, tout en contribuant davantage au PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. La femme constitue l'équilibre de la population et du peuple. Et c'est pourquoi le président Ouattara a mis à la disposition des femmes une politique qui peut les amener, qui les amène à l'autonomisation. Je voudrais ici demander à toutes les femmes de continuer de faire confiance au président Alassane Ouattara. Chères femmes, je me ferai fort de traduire fidèlement les résultats des travaux des ateliers tenus ici dans le district du Bassa-Sandra au premier des Ivoiriens, et tout cela sera confiné dans un livre blanc intitulé « Femmes 2030 ». L'État a mis les lois, lèvons-nous, soyons unis, soyons le terreau de l'espoir de nos familles et de nos enfants, et allons-y à la conquête du pouvoir, dans la représentativité, de la mécanisation de l'agriculture, des femmes entrepreneurs à des niveaux très élevés pour figurer parmi les champions nationaux. Constituant plus de 70% de la main-d'œuvre dans la chaîne des valeurs vivrières, les femmes assurent la souveraineté alimentaire nationale. Elles attendent les résultats des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire pour faire mieux.